Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter un tuto sur Call of Duty World War 2 sur la map The Darkest Shore. Donc un tuto qui consiste à améliorer une deuxième fois la scie refender, les refendre. Donc voilà, quand vous avez amélioré la scie, donc vous tirez des disques. Donc pour améliorer la scie, je vous mettrai un tuto dans la description si vous ne savez pas comment faire. Donc la scie elle se fabrique ici, elle s'améliore ici. Ensuite, il vous faudra le pack-a-punch. Donc, si vous ne savez pas comment on fait pour obtenir le pack-a-punch, je mettrai un tuto aussi dans la description. N'hésitez pas à aller le voir si vous ne savez pas comment on fait. Alors, quand vous avez le pack-a-punch, bah, même quand vous ne l'avez pas, il va falloir trouver 6 emplacements de... comment dire, 6 emplacements de chiffres. En fait, c'est un peu comme sur The Final Wedge, il y avait des papillons bleus, enfin des nœuds papillons. Et en fait, sur ces nœuds papillons, il y avait un truc qui donnait des chiffres. Et bien, c'est la même chose ici, donc je vais vous montrer les 6 emplacements. Alors, le premier emplacement, il se trouve près du spawn, près de la grille, juste ici où il y a le plan de vue. Juste ici, regardez. Donc là, vous pouvez voir que c'est un plus. Et il est placé de façon à être au milieu. Donc, on sait que ce sera le troisième emplacement. Parce que c'est un truc qui porte des nombres pour compter. Mais sur 6 emplacements. Et là, vous voyez bien qu'il n'y a qu'une seule roulette sur 6 emplacements. Donc voilà, là, on sait en déduire que c'est un plus de la troisième place. Et après, vous allez comprendre pourquoi je sais que le plus, c'est toujours à la troisième place. Et à la première, ou c'est un moins ou quoi. Vous allez comprendre de toute façon. Donc là, le deuxième emplacement, il se trouve ici. Et là, on peut voir que c'est un 1 qui se place en deuxième position. Pourquoi je ne le place pas en première position? Bah, tout simplement parce que la première emplacement, c'est soit un plus ou soit un moins. Le troisième emplacement, c'est soit un plus ou soit un moins. Donc voilà, ça ne changera jamais, ce sera toujours comme ça. Donc ça, c'est le deuxième emplacement, juste ici, je vous le remonte, donc c'est un 1. Donc là, je vais vous montrer le troisième chiffre qui se trouve. Donc quand on sort du spawn, vous partez à gauche et vous allez vers l'électricité. Et vous allez voir que à la troisième cellule, donc cette cellule-là, il y a quelqu'un qui se prend encore. Il y a encore un numéro. Donc là, c'est le numéro 0, donc c'est le troisième emplacement. Donc ça fait plus, donc ça fait 1, 0, plus. Voilà, ça c'est déjà les 3 qu'on a. Alors maintenant, je vais vous montrer le quatrième emplacement qui se trouve près des DCA. Donc c'est possible qu'il soit, enfin je sais plus, mais je pense que c'est possible que ça change de DCA. Donc je pense que la première fois que je l'ai vu, c'était ici, donc juste en dessous de la boîte de sardines, de munitions, je sais pas, de munitions. Il y avait un numéro là, mais là je le retrouve pas là, mais je l'ai retrouvé sur une autre DCA un peu plus loin, donc pas celle-ci, mais plutôt celle-ci près du pack-a-punch. Donc ça, ce sera le quatrième emplacement du numéro. Donc ici, et là on peut voir que c'est un plus. Donc on voit bien que ça, c'est la première emplacement, donc ça fait plus 1, 0, plus. Donc il nous manque 2 emplacements, donc les 2 derniers numéros. Donc là, on sait déjà que c'est plus 10 et plus quelque chose. On ne sait pas c'est quoi les deux autres, mais on va vite le savoir. Donc là, vous rentrez dans le bunker, dans le numéro 32. Voilà, vous allez dans les vestiaires. Et là, vous voyez qu'il y a un autre numéro qui est le 0. Donc le dernier numéro, ce sera un 0. Et juste ici, un peu plus loin, quand vous regardez par la fenêtre, il y a encore un dernier numéro qui est 0. Donc ça fait plus 10 plus 0. Donc maintenant, il va falloir aller à la tourelle. Donc il va falloir charger la tourelle pour pouvoir tirer avec cette tourelle. Donc obligatoirement, il faut faire la première étape du secret. Donc si vous ne savez pas comment faire la première étape du secret, je vous expliquerai, je vous mettrai le lien en description. Et moi, je vais faire cette étape, puis après, on se retrouve juste après. Et voilà, maintenant que vous avez chargé le canon, il va falloir noter les codes que vous avez eu. Donc moi j'ai eu plus 10 et plus 0. Donc le plus 10 on le met à gauche et le plus 0 on le met à droite. Donc là il est sur plus 0, donc c'est bon. Et là on va mettre plus 10. Donc j'augmente vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc oh là là là, attendez deux secondes, voilà. Donc quand vous avez mis plus 10 et plus 0, donc vos deux chiffres que vous avez eu, vous tirez et vous attendez. Voilà. Donc voilà, quand vous avez tiré, vous devez regarder derrière vous. Et si vous avez le petit dispositif qui se trouve là, juste devant moi, ça veut dire que vous avez bien réussi l'étape. Donc vous appuyez sur carré, vous récupérez ce dispositif. Et là, vous vous dirigez vers le pack-a-punch.
Et normalement, si vous avez tout bien fait et que vous avez bien récupéré la pièce, vous pourrez améliorer votre scie réfendre donc en pack à punch, tout simplement. Donc là, je me dirige vers le pack à punch et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est vraiment très simple comme tuto, hein, c'est assez rapide. Donc voilà, alors là, je sors ma disqueuse. Donc attendez, je vais faire un peu de ménage d'abord. Voilà, j'ai passé la manche. Donc maintenant, je fais flèche de droite et je mets ma scie à répandre dans le pack à punch. Voilà, donc j'attends qu'elle s'améliore. Regardez-moi ça. C'est trop la classe, les potos. Je pense être le premier français en plus à faire ce tuto, hein, tout simplement. Donc je suis assez fier de moi. Voilà, donc ça s'appelle une scie à répandre. Vous avez plus de munitions. Vous tirez toujours autant de disques, mais sûrement qu'ils sont plus efficaces. Surtout pour le trophée, ça va être beaucoup plus facile. Donc, il y a un trophée de tuer 13 zombies en les packant. Donc, on va essayer ça tout de suite. Hein. On va le faire ça en live. Bien sûr, il y a moyen. On pack. Voilà, j'ai bien packé là. Et bim! Non, ça va pas fonctionner. Dommage. Mais bon, il y a sûrement moyen qu'avec cette scie, vous fassiez les 13 kills comme sur le trophée. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, bah, n'hésitez surtout pas à liker un maximum les potos, à partager aussi un maximum pour m'aider à évoluer sur YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout les potos, surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao, peace.